Après avoir fait de la figuration pour gagner son argent de poche, Pierre Perrier est remarqué par un agent qui l'envoie sur le casting de Fred et son orchestre de Michaela Watteau. Il décroche le rôle. L'épisode de l'éphémère série, 3 épisodes, est diffusé sur TF1 en 2003. En 2005, il joue dans Douche froide d'Anthony Cordier. En 2006, il tourne le héros de la famille de Thierry Cliffa, Arki d'Alain Tasma et Chacun sa nuit de Jean-Marc Barr et Pascal Arnold. En 2007, Pierre Perrier retrouve Lizzie Brocheret, sa partenaire de Chacun sa nuit, pour Le pardon d'Olivier Dahan, court-métrage faisant partie de Love Stories. 12 scénettes interactives publicitaires pour le site Love de Quartier. Au cours de l'été 2008, Pierre rencontre Sébastien Lifshitz pour jouer dans son 5e long-métrage, Plein Sud. En 2011, il tient, dans un autre film de Jean-Marc Barr et Pascal Arnold, American Translation, le rôle d'un jeune psychopathe bisexuel. Ce rôle lui permet d'être présélectionné, mais non nommé, pour le César du meilleur espoir masculin en 2012. En 2012, il apparaît dans la série Les Revenants. Il y incarne Simon, mort quelques heures avant son mariage dans des circonstances étranges, et revenu 10 ans plus tard. Il est en couple avec la comédienne Astrid Berger-Frisbee.